pour la réaliser, c'est un énorme bol de baie de myrte bien mûre et d'un bleu. Oh, non, pas encore. Oh, il y a eu des coupures de courant toute la journée. On n'arrivera jamais à tourner notre vidéo. Mais qu'est-ce qui se passe à la centrale électrique de la fraisière? Enfin, on reprend. Dites les petites malignes, comment vous comptez participer à un concours sur la technologie au service de la mode sans technologie? On devra reprendre plus tard, les amis. Il commence à faire sombre et je dois m'occuper des livraisons au marché. Mais tout d'abord, je vais aller voir ce qui se passe à la fraisière. Tenez-moi ça! Pied droit, pied gauche derrière, pied droit sur le côté et pied gauche devant. Oui, c'est ça, tu te débrouilles très bien. Et maintenant, pour finir, kickball change, pas de bourrée et tour pété. Pas de bourrée et tour... Je te tiens. Je suis désolée, Prunelle, la dernière partie est fraisée difficile. Est-ce qu'on peut la refaire? Bien sûr, tu vas y arriver. Encore une fois, Cerisette. Allez, on recommence. Kick, ball change, pas de bourrée et tour pété. Va chercher. C'est très bien. Ça fait du bien de s'évader de Mégapomme pour prendre un bol d'air frais à la campagne. Oh, hé, hey, tout doux. On forme une super équipe, hein, Pistache? Nous deux, on est comme les doigts de la main, amis pour la vie. Tiens, tu entends? Qu'est-ce que c'est? On dirait que ça vient de la ville. Que je m'entraîne beaucoup pour apprendre le kickball change, le pas de bourrée et le tour piqué à la fin. Pomme d'amour et moi, on a pensé à quelque chose qui pourra sans doute t'aider. Alors, tu t'en sors? Oui, attends, ça vient. Encore une petite seconde et... C'est fait, tout est prêt. J'ai filmé Prunelle qui faisait sa chorégraphie. Qu'est-ce que vous avez fait toutes les deux? Oh, attends, tu vas voir. Tu ne vas pas en croire tes yeux. Oui, et moi j'ai une surprise. Tu te souviens de ces choses-là? Les bottines dansantes, quoi? Si je m'en souviens, tu te rappelles quand on les a poursuivies à travers la ville? Je croyais qu'elles avaient disparu. En tout cas, c'est ce que j'espérais. Eh bien, ça c'est drôle. Ah, je vois. Eh ben moi, ça ne me fait pas rire du tout. Allez, détends-toi un peu, Fraisinette. Pomme d'amour les a reprogrammées. Je t'assure qu'elles ne présentent plus aucun risque. Ces bottines sont de vrais dangers. Plus maintenant. Tu as ma parole. Dorénavant, elles sont éducative. Regarde bien. Je télécharge la chorégraphie de Prunelle. Et voilà, les bottines d'ensemble sont maintenant des bottines pour apprendre à danser. Et musique. Regardez ces bottines qui sont en train de danser. D'accord? Ça perle Strudel, une personne qui joue en oui. Régie. Je crois que tu as raison. Alors, on n'a qu'à essayer. Et de une, et de deux. Yodelay, yodelay, yodelay. Waouh! Nom d'une forêt noire! On a chanté comme des divas! Le départ des
les montgolfières, c'est là. Tu ferais bien d'y aller. Tu es en tête pour l'instant. Et j'imagine que tu veux le rester, pas vrai? Eh bien, ce tunnel était un raccourci en réalité, alors je crois que je ferais mieux d'attendre que le reste des concurrents se rapproche. C'est plus loyal. Ah, voyons, personne n'en saura rien. Tu pourrais partir avec une bonne longueur d'avance. Non, une course n'a d'intérêt que si elle est loyale. Tu viens, Bergamote, on va attendre près des montgolfières. Bonne chance pour la course, Pomme d'amour. Et n'oublie pas, où que tu ailles, pense à yodeler. Vraiment, une course n'a d'intérêt que si elle est loyale. C'est ce que je leur ai dit. Alors imaginez ma stupeur quand j'ai découvert que Cricri l'entourloupe s'était livrée à des entourloupes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, dis-le-nous. Elle a détaché toutes les montgolfières afin d'éliminer définitivement la concurrence. Hé, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est injuste et déloyal. Déloyal, nom d'un crâne cheval. Je vais me gêner, mon caporal. Elle a réussi. Attends, regarde. Hein? Accroche-toi bien, Bergamote. Cette fois-ci, hein? Allez, va chercher. C'est ça, va chercher, Marmelade. Attrape la balle. Oui, bon chien. Maintenant, rapporte la balle. Oui, c'est ça. Rapporte-la-moi. Oh non, voilà qu'elle recommence. Oh non, Marmelade! Marmelade? La balle. Oh, alors tu veux une autre balle, c'est ça? J'essaie de t'apprendre à chercher les choses, pas à les cacher. Nous allons être à court de balles. Alors cette fois, rapporte la balle, d'accord? Va chercher. Rapporte la marmelade. Ici, viens me voir, au pied. Rapporte-moi la balle. Oui, bravo! Tu as compris! Oh. Vilaine fille! Vilaine fille! Où crois-tu aller avec cette balle? Reviens ici! Oh. Ah. Bonjour, fleur d'oranger! Oh, bonjour! Ça ne va pas? Oh, Cerisette, depuis ce matin, j'essaie d'apprendre à ma chienne à rapporter la balle. Mais elle se contente de partir avec. J'ignore où elle va ou ce qu'elle en fait, mais quand elle revient, la balle a disparu. Tiens, te revoilà. Où est-ce que tu étais passée? Attention, c'est la dernière balle. Griotte aime bien jouer à va-chercher. Elle pourrait montrer à Marmelade comment faire. Oh, mais oui, quelle excellente idée, Cerisette. Qui ne tente rien? Prête, Griotte. Tu veux aller chercher la balle? Oui. Attrape la balle. Va la chercher, ma grande. C'est wow, bien, quelle ma réception Hé hey hey. Marmelade, ce n'est pas très poli, ça. Oh. Marmelade, où te caches-tu? Marmelade! Oh. Qu'est-ce qui peut bien passer par la tête de cette chienne? Et où est-ce qu'elle emmène toutes ces choses? J'y pense. Tu sais, c'est Charlotte Offrez qui m'a aidée à dresser Griotte. Si tu lui demandais, je suis sûre qu'elle t'aiderait à dresser Marmelade. C'est ce que je vais faire dès aujourd'hui, quand elle aura réapparu, évidemment. Marmelade! Oh. Tu vois ce que je veux dire? Allez, toi, en route! On va rendre visite à Charlotte aux fraises. Oui, moi aussi, je t'aime très fort. On y va? Tu veux aller voir Charlotte aux fraises?
Allons rendre visite à notre ami. Frisinette ne répond pas à mes appels. Apparemment, elle n'a pas de réseau. Où est-elle? Elle a quitté la ville? Que je me dépêche d'y aller? Ah non! On va organiser un spectacle de danse! Une représentation unique! Le studio de Prunel met les toutous à l'honneur! Le duo canin dansant qui a du chien! Un instant, pourquoi deux chiens? Un trio canin, c'est encore mieux! Je sens que ça va être énorme! Oh, il n'y aura que des chiens qui vont danser sur scène, pas vrai? Absolument! Est-ce que Pistache voudrait faire un essai? Eh bien, oui, mais seulement lui, d'accord? Pas moi! C'est bien ça l'idée, rien que des chiens, c'est génial, non? Oh, oh oui, tu n'imagines pas à quel point. Ces chiens avaient beaucoup de talent. Je ferais bien de t'apprendre à danser comme eux si on veut que Prunelle te choisisse. Je vais demander un livre sur la danse à bleuette. Je vais apprendre en premier et je te montre ensuite. Facile? Oh. Non, attends. Elle risque de croire que c'est moi qui veux apprendre à danser. Et là, ce serait terrible. Elle va sans doute vouloir m'apprendre à danser et je serai obligée de danser devant elle. Ah, c'est fabuleux! Oui, je vous demande d'applaudir bien fort, Petit Beignet. Hors de question. Bon, oublions le livre. C'était une très mauvaise idée. Bonjour, Petit Beignet. Bonjour, Pistache. Salut, Bleuette. Je suis contente de te voir. Comment vas-tu depuis tout ce temps? Tout va bien, Mégapomme? Très bien. À vrai dire, on était en route pour... Et j'ai voulu m'arrêter ici pour... emprunter un livre. Attends, ne me dis rien. La nouvelle enquête de Patty Persimmon? Ben, quelque chose dans le genre. Alors, serre-toi. Il faut que j'aide Citronette à classer ses vernis à ongles par ordre alphabétique. Et oui, elle ne sait pas encore si elle doit ranger myrtille, mauve, avant ou après, meringue, mandarine. Je reviens très vite. Ça m'étonnerait quand même qu'il soit allé si loin. Je n'arrive pas à voir l'endroit où on est. Ce n'est même pas sur la carte que j'ai imprimée et il n'y a plus de sentier. Oh, dans ce cas, nous devons regarder partout. Ils sont bien quelque part quand même. Et si on allait voir un peu plus loin? En tout cas, je ne voudrais pour rien au monde être à leur place, perdue dans cette forêt par ce mauvais temps. Perdu? Mes petits! Attends, j'ai lu une histoire où deux enfants perdus semaient des morceaux de pain pour pouvoir retrouver leur chemin. Oh, j'ai lu cette histoire aussi, mais les morceaux de pain sont tous mangés par quelqu'un. Oui, mais personne n'ira manger ceci. Baba Hortensia, tu es géniale. Maintenant, on ne risque plus de se perdre. Épuisés et qu'ils rentreront demain. Et s'ils sont tombés dans un piège? Ça m'étonnerait quand même beaucoup. Oh, il me manque déjà tellement. Est-ce qu'ils pourraient
s'être enfui. Charlotte ou Fraise, est-ce que... C'est seulement l'air du soir qui me fait renifler. Oh, Charlotte aux fraises, comme tu dois être inquiète. Et pendant ce temps, on ne fait que parler de notre inquiétude à nous. Comme ça doit être dur. Tu les aimes tant, tes petits. Je ne veux pas vous alarmer, mais... Oh, j'ai tellement peur qu'on ne les retrouve pas. Et peut-être qu'ils se sont... vraiment enfui. En fait, il voulait absolument jouer avec moi, mais je n'avais pas le temps. Oh, je suis désolée d'avoir dit ça. Jamais ils ne s'enfuiraient. Ils sont bien trop heureux avec toi, Charlotte aux fraises. Ils savent combien tu les aimes et ils t'aiment aussi fort. Il ne faut pas t'inquiéter. On les cherchera et on les retrouvera. Oh, je l'espère. Je suis heureuse que vous soyez toutes avec moi. Sauvez-vous! Sauvez-vous, les amis! Qu'est-ce que nous fuyons? Un monstre! Nous l'avons entendu! Montez des profondeurs! On a entendu de trop de bruit, nous aussi! Petite minute! Montez des profondeurs? C'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas rentrés. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, nous n'avons pas arrêté de chercher à la surface de la Terre. Mais peut-être qu'ils se trouvent sous Terre et qu'ils n'ont aucune idée de l'heure qu'il est. Ils auraient perdu la notion du temps. Exactement. Monsieur Millepattes, petit pépin l'ancien, d'où est-ce que venaient tous ces bruits? De là-bas. Clafoutis, praline. Clafoutis, pralinette. C'est juste un bébé marmotte. Chocolat, les délices exotiques de Flora Fleur. Je suis Flora Fleur, mais tu peux m'appeler Flora. Enchantée, Flora. Moi, c'est Pomme d'Amour et je participe à la grande fraisie course sportive. Ouh, mais tu t'es posée sur la mauvaise montagne. J'ai vu qu'on trichait à tout va là-haut dans les airs. Certains concurrents se comporteraient mal envers les autres. Oui, on peut le dire. Je suis vraiment désolée. Tu veux goûter une sucette glacée choco-banane? C'est une spécialité de Flora Fleur. En fait, ce serait possible pour moi d'acheter cette peau de banane à la place. Bien sûr. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? On dirait qu'il y a un concurrent mal intentionné qui fonce vers toi. C'est d'accord? Oui, prends-la. Vite, Bergamote, il nous rattrape et... Du vol, tu rigoles, rattrapons cette gondole. Ça aussi c'est du vol. Absolument. Comme je le dis toujours, un mauvais tour peut en cacher un autre. Tu me parlais, je crois que je préfère garder mon ancienne coupe. Je trouve qu'elle me va mieux au teint. Pourquoi vouloir changer? Et pourquoi ça? Oui, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il faut absolument que vous testiez mes nouveaux masques pour les yeux à l'aromathérapie. Voilà, fermez les yeux et concentrez-vous sur ce délicieux parfum. Maintenant, je veux que tu te détendes, Charlotte aux fraises. Et pendant que tu profites de ton masque, je vais appliquer un tout nouvel après-shampoing sur tes cheveux pour encore plus de douceur. Bon, d'accord, c'est toi qui décides.
convenablement et profite bien de ton masque. On dirait que tu brasses les cheveux, pas que tu appliques un soin. C'est que c'est plus efficace sur des cheveux mouillés. Mais pourquoi nous avoir séché les cheveux tout à l'heure dans ce cas? Pour la relaxation. Et cette fois, je vais utiliser le sèche-cheveux manuel pour finir. Est-ce qu'il y a un problème, Mimi Citron? Non! Pourquoi cette question? Non, ce n'est pas un jouet. Je suis vraiment désolée. J'essaie de la dresser. Ce n'est pas grave. Attention, à vos marques. Prêtes. Partez. On est arrivé au lac? Pour la 10e fois, Justin, on n'est pas encore arrivé au lac. Quand on y sera, on le saura, t'inquiète pas. Mais comment? Je vois même pas où on va. Regarde par terre, Justin, qu'est-ce que tu vois? Mes pieds. Mais qu'est-ce que tu vois d'autre? Tes pieds à toi. Oui, mais qu'est-ce que tu vois d'autre, Justin? Des cailloux. C'est ça, des cailloux. Quand on arrivera au lac, on regardera par terre et on verra... Le lac! Ah! On est arrivés!